aussi. Ah, c'est magnifique. Hein. Ça sent le printemps. Ça sent le printemps, ça sent les fleurs, ça sent bon. Nous voilà dans les champs. Quelle Bernadette êtes-vous à gambader comme ça? Écoutez, je suis Bernadette interpellée. Oh, vous m'interpellez également. Hein. Interpellée par cette histoire. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le récit d'Anthony Passeron, qui s'intitule « Les enfants endormis ». Et en fait, Anthony Passeron fait dans ce roman une double enquête. Enquête familiale, puisque son oncle est décédé du sida, son oncle toxicomane est décédé du sida dans les années 80, et que cet oncle a eu une enfant. Donc il a connu sa cousine, qui était aussi du coup porteuse du virus, et qui est décédée assez jeune. Il a grandi dans une famille, dans un petit village de France, dans le sud de la France. Et donc c'est un petit peu aussi toute l'histoire familiale de ses grands-parents qui ont ouvert une boucherie, qui ont voulu la transmettre à leurs enfants, et de la drogue qui arrive, des jeunes qui ne trouvent plus leur place, qui commencent à se droguer, et de cette épidémie terrible des années 80 du sida, que là, on voit d'un point de vue pas du tout, justement, de l'épidémie qui touche les homosexuels. C'est plutôt des livres là-dessus que j'avais lus, et là, vraiment, sur la toxicomanie, le ravage que ça a fait, et les conséquences que ça a eu. Et en parallèle, en fait, et c'est ça aussi qui m'a passionnée dans ce récit, on suit toute la recherche médicale, toute une enquête sur la recherche médicale, les avancées médicales, la concurrence entre la recherche française et américaine, les espoirs des patients-patientes, et puis la fin de l'espoir, la façon évidemment dont les malades étaient considérés à cette époque et soignés ou pas, en fonction aussi d'ailleurs du fait s'ils étaient toxicomanes, parfois ils étaient moins bien soignés. Et donc on suit vraiment ces deux histoires croisées en parallèle, et j'ai trouvé toute la partie recherche médicale très très intéressante, alors que voilà, je ne suis pas biologiste, ni tout à fait... Votre papa est dans la recherche. Mais mon papa est dans la recherche. Mais bon, il est nano-physicien. D'accord. C'est encore autre chose. Avez-vous un petit extrait, Bernadette? J'ai un petit extrait pour vous. Et donc là, on parle de sa petite cousine, Émilie. Bien que sa santé l'obligeât à naviguer entre sa famille et l'hôpital, Émilie était toujours scolarisée à l'école du village. Sur les photos de cette époque, elle pose heureuse avec les autres enfants. En classe, on se montrait bienveillant avec elle. On veillait à ce qu'elle reste intégrée au groupe malgré ses absences répétées. Son dossier scolaire contenait une note des médecins qui expliquait la conduite à observer en cas de blessure, de fatigue ou de malaise. Aucun enseignant n'a jamais commis d'indiscrétion à propos de sa santé. Mais dans une si petite commune, après la mort précoce de ses parents, le secret de son sang ne pouvait qu'éternellement se garder. Quand elle était à la maternelle, une femme a fait signer une pétition parmi les parents d'élèves. Elle avait un fils dans la même classe qu'Émilie et demandait que la petite fille ne fréquente plus l'école. Le document qu'elle avait rédigé expliquait qu'on éviterait ainsi tout risque de contamination. Cette année-là, son instituteur assurait également la fonction directeur. Il n'a cédé à aucune pression. Il a assuré qu'Émilie ne mettrait en péril la sécurité de personne, qu'elle avait toute sa place en classe avec les autres élèves. Jamais ma cousine n'a été informée de cette volonté de l'exclure de l'école. L'épisode a scandalisé mes parents et mes grands-parents. Ils ont découvert à cette occasion combien il serait difficile de protéger Émilie dans les années à venir. À l'école primaire, des camarades avec lesquels elle jouait depuis toujours se sont un jour brusquement éloignés d'elle. Leurs parents avaient discuté devant eux et ils ont exclu Émilie de leur jeu. Quand elle a insisté pour reprendre sa place dans le groupe, ils lui ont rétorqué qu'elle avait le sida, qu'ils ne voulaient pas d'elle parce qu'elle était contagieuse. Non seulement ma cousine n'a pas compris en quoi elle était concernée par ces histoires, mais elle n'avait sans doute jamais entendu prononcer le nom de cette maladie ailleurs qu'à la télévision. Ses camarades se sont chargés de lui expliquer. C'était une maladie grave, mortelle même. Sa mère et son père l'avaient attrapée en se droguant, ils étaient morts du sida et le lui avaient transmis avant de mourir. Paniquée, Émilie a reconnu qu'elle était plus fragile que les autres, qu'elle était souvent malade, qu'elle devait aller à l'hôpital pour recevoir des soins. Mais tout ça n'avait rien à voir avec le sida. C'est vrai qu'on oublie que les enfants ont été touchés. On entend aussi parler de l'histoire du sang contaminé, du scandale du sang contaminé. Enfin voilà, c'est vraiment aussi revenir sur une époque que nous on a traversée très jeune, mais qui a touché une épidémie qui a touché des milliers de personnes. Voilà, ma chère Bernadette. Et vous, quelle Bernadette êtes-vous donc? Eh bien aujourd'hui, il fait très chaud. Aujourd'hui, je suis Bernadette Foulcan. Foulcan. Voilà, je suis comme ça. Ouais, je m'en vais. Bye bye. Ah, je m'en vais, je pars. Je pars avec ce roman graphique qui s'appelle Les Pizlis de Jérémy Moreau. Quelle belle couverture. Alors, il n'y a pas que la couverture qui est belle. Franchement, j'ai peur de perdre mes extraits, mais toutes les illustrations sont magnifiques. Les couleurs sont splendides. Ça explose. Je dirais que c'est un roman graphique aux couleurs feu d'artifice. Si vous voulez mon avis. Comme notre look du jour. Voilà. Eh bien, ici aussi, ça va parler de famille, figurez-vous. Oh. Mais de famille d'aujourd'hui. De famille d'aujourd'hui qui habite à Paris.
Alors, on voit que ce sont des frères et sœurs qui habitent ensemble, donc un qui est plus âgé que les autres et qui travaille pour subvenir aux besoins, aux études, au logement, à l'alimentation de ses petits frères et sœurs. Et ils sont à Paris, ils sont sur leurs écrans, ils sont avec du vis-à-vis, avec les réseaux, le repli sur soi, etc. Et un jour, le grand frère va faire une rencontre inopinée d'une vieille dame avec qui il va se passer un événement et à qui il va raconter un peu son quotidien. Et la vieille femme lui propose de partir avec elle, lui, son frère et sa sœur, en Alaska, chez elle, parce qu'elle a de la famille là-bas. Et donc, on va voir cette petite troupe qui va partir de Paris jusqu'en Alaska. Fini les réseaux, fini le vis-à-vis, fini le repli sur soi, nature à perte de vue, des ours, pas d'ordinateur, et il va se passer bien des choses. Les écureuils, les rats, les thons, les oies sauvages, les élans, les ours, les humains. Tous les animaux avaient la même forme. Rien ne distinguait un homme d'un saumon, un renard d'un corbeau. Tous se comprenaient naturellement. Le monde était peuplé d'êtres métamorphiques en gestation. C'était le temps du mythe. Et puis, il y a eu la grande séparation. Chacun se différencia des autres, jusqu'à ce que les formes se stabilisent. Là, le loup, ici le saumon, l'homme, nous ne parlions plus la même langue. Chacun se mit à se cacher. Là, c'est leur arrivée en Alaska. Ils partent faire une balade. Ce n'est vraiment pas possible de chasser avec des accoutrements pareils. Il faudra que je vous fasse des manteaux. Le premier qui trouve la trace d'un animal a gagné. Je vois rien, j'ai froid aux pieds, ça me saoule. Allez, petit frère, un effort, on dirait moi. Je vous en voudrais toute ma vie d'avoir ruiné ma carrière de gamer. Mais tu crois que la plupart de tes jeux, c'est quoi? Des énigmes, des explorations, de l'adresse, et tout ça, ça vient d'où, tu crois? J'en sais rien, moi. Moi, je crois que ça vient de notre immémorial passé de chasseur. Tes jeux ne font que copier la réalité. Là, il y a tous les ingrédients de jeux vidéo, mais bien réels. Tu ne vois rien parce que tu ne sais pas encore voir. Pour trouver les animaux, il faut voir l'invisible. Là, par exemple, c'est quoi à ton avis? Bah, je sais pas, moi. C'est un animal qui traînait quelque chose. Des branches? Ah, un castor! Mais oui, il transporte des branches pour construire sa maison! Ah, c'est une idée, mais on ne sait jamais. Les animaux peuvent aussi nous tromper. Pour le savoir, il faut aller au bout. Ok, j'y vais. Mets-toi à sa hauteur. Pour pister un animal, il faut devenir l'animal. Tu as tout compris, Étienne. Annie? Oui? Cette nuit, je crois que j'ai rêvé de l'ours. En fait, j'ai rêvé de ce que tu nous as raconté hier soir. Et puis, à la fin du rêve, j'ai eu l'impression que l'ours essayait de me parler. Ça ne m'étonne pas. Il cherche à communiquer avec nous, cet ours. Hier, j'ai dit que nous ne parlions plus la même langue. Mais dans les rêves, il arrive qu'on se comprenne comme au temps du mythe. Et donc aussi, ce roman graphique nous parle de la préservation animale et de notre planète et des plantes, des arbres et de toute la nature en Alaska qui est flamboyante, malgré la neige. Ça m'a l'air... d'être un beau voyage, une belle histoire et de belles images. Je vous envoie dans le Grand Nord. Je veux bien aller dans le Grand Nord, ma chère Bernadette. Vous restez dans le Sud. Gardez votre bandeau pour vos oreilles. Ah, allez, au revoir. Au revoir. Bon vol.